noi venim din viitor. Inteligență artificială, revoluție tehnologică, blockchain, realitate virtuală, bani digitali, Internet of Things. Vreți să țineți pasul cu noile tehnologii care ne schimbă viața? Stați cu noi la emisiunea Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România, în fiecare vineri de la ora 5:30 la 6 și în reluare sâmbătă după știrile de la ora 11. O emisiune oferită de BRD, Grup Societe Generală. Bine ați revenit la o nouă ediție a emisiunii Noi venim din viitor, prima emisiune din România în care vorbim nu despre ce a fost, ci despre ce va fi. Sunt Mirel Bran și timp de o jumătate de oră vă propun să ne uităm la noi puțin pe dos, nu dinspre trecutul nostru, ci din viitorul nostru. Continuăm seria de emisiuni pe Skype și vom avea ocazia să stăm de vorba astăzi cu un francez care de 8 ani de zile pune umărul la reconstrucția României. Este CEO al companiei de asigurări Groupama și președinte al Camerei de Comerț și de Industrie franceză din România. François Cost a aterizat în România în 2012, după ce s-a ocupat de asigurări în Hong Kong, Japonia, Paris, New York și Madrid. Știe multe, a văzut multe și crede că viitorul României ține de valorile în care fiecare dintre noi crede. Îl cunosc personal de multă vreme și m-a impresionat de multe ori prin încăpățânarea cu care crede în ceea ce face. Până la urmă, primul lucru pe care îl ai de făcut ca să îți împlinești un vis este să visezi. Mai ai nevoie să și crezi în ceea ce visezi. Lucrurile astea sunt scrise într-o grămadă de cărți despre leadership, dar una este să le citești într-o carte, alta este să le faci vii în viața ta, să trăiești și să acționezi în acord cu ele. Veți descoperi astăzi un om împăcat cu viața lui, cu business-ul lui și cu valorile pe care viața i l-a descoperit. Dar veți mai descoperi în François Cost și un om pasionat de România, care crede în această țară, poate mai mult decât mulți dintre români. L-am invitat la emisiunea Noi venim din viitor pentru o jumătate de oră de dialog despre afaceri, despre viață și despre valorile care ne adună împreună și fac din noi un popor care are o țară pe mână. Această emisiune va avea loc în limba franceză. François Cost, bienvenue dans notre émission Nous venons du futur. Je viens de te présenter en roumain, j'ai évoqué ton parcours et j'avoue que tu n'arrêtes pas de m'interpeller, vraiment. Je te connais depuis des années et j'ai constaté que tu as un certain nombre de valeurs qui t'ont servi de fil rouge dans ta vie professionnelle. Raconte-nous un peu ton parcours et surtout fais-nous comprendre comment as-tu forgé les valeurs qui animent ta vie. Bonjour Mireille, je suis très heureux que tu m'aies invité dans ton émission et pour parler du futur à ce stade de ma carrière. Parler du futur, c'est quelque chose d'important. Donc j'ai dans ma carrière beaucoup exercé ma mobilité au travers de différents types d'entreprises. J'ai eu la chance d'avoir 3 employeurs qui m'ont permis d'exercer ma mobilité géographique, ma mobilité au travers de différents métiers. Et ce qui m'a permis d'apprendre, de continuer à apprendre, et je crois par l'apprentissage de rester jeune et agile. Agile pourquoi ? Agile au service du bien commun, c'est-à-dire de la prospérité de l'entreprise qui m'emploie, mais aussi du développement des individus qui travaillent, des hommes et des femmes qui travaillent dans cette entreprise. J'ai une conviction profonde dans le sens où je crois qu'une compagnie, une société, une affaire, elle est là pour faire des bénéfices, pour créer de la prospérité, pour partager cette prospérité avec les autres. Et je crois que cette croissance de l'entreprise, en fait, ça correspond à une croissance antérieure, c'est-à-dire que nous, les hommes, on est fait de manière à ce qu'on a besoin de croître à l'intérieur de nous. Et cette augmentation de notre être, qui peut être d'ordre spirituel, hein, ça se reflète aussi dans notre extérieur, dans ce qu'on fait. Et le succès d'une affaire, je trouve que ça se trouve d'abord dans le succès de cette croissance intérieure. Comment tu as ressenti ce parcours dans le business? Tu as eu un parcours quand même extraordinaire. Qu'est-ce que ça t'a appris, ce parcours dans le business? La croissance profitable d'une entreprise, c'est quelque chose de très bon, c'est de très spirituel. Je reviens sur la notion du bien commun. Donc, c'est la pérennité d'une organisation. Ça peut être la pérennité d'une famille, la pérennité d'une entreprise, la pérennité de la société au sens large. C'est quelque chose de très bien, très spirituel et de très noble.
Donc, faire des pertes, c'est pas une option. Donc, une entreprise doit viser des profits équilibrés qui préservent l'environnement, qui préservent la dignité humaine. Et la deuxième dimension dans une entreprise et dans le bien commun, c'est vraiment le développement de la perfection de l'être humain. Moi, je crois, parce que je suis croyant, que le travail salarié, le travail associatif, le travail à la maison aussi, ça nous positionne comme des co-créateurs dans le prolongement de l'œuvre de Dieu. Et c'est en particulier vrai pour les managers, parce qu'un manager, il a le travail très noble de développer les compétences de ses collaborateurs, de veiller à la pérennité de l'entreprise et de veiller à la collaboration entre les hommes. Trois dimensions très, très spirituelles de la vie du manager. Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România. François, tu travailles dans les assurances et ta vie t'a un peu poussé à zigzaguer sur plusieurs continents. Qu'est-ce que tu as appris dans le contact avec des cultures aussi diverses que la culture européenne, américaine, chinoise, asiatique, et depuis 8 ans, la culture roumaine? Alors, j'ai appris l'adaptation. Avant de travailler dans l'assurance, j'ai travaillé dans l'automobile. Et je suis passé de l'automobile Michelin, l'assurance chez AXA, puis Groupama. Je suis très heureux de travailler dans l'assurance. C'est une activité, un secteur très noble, parce que l'objet de l'assurance, sa raison d'être, c'est la continuité de l'être humain lorsqu'il est confronté à des catastrophes, un incendie, un accident, une maladie. Et donc, cette continuité, c'est quelque chose de très noble. C'est ce qu'apporte l'assurance, même si la réputation de l'assurance comme secteur est en général mauvaise. Parce que beaucoup de personnes ne comprennent pas ce qu'est l'assurance et que le but même de l'assurance, c'est d'apporter la continuité et la paix d'esprit, de vivre sa vie pleinement en confiance. Donc, ta question, c'était sur ce que j'ai appris Le au contact travers. diverses cultures que tu as rencontré à travers ta vie professionnelle. Alors, j'ai appris qu'il y a des cultures vraiment très, très différentes et ça passe aussi par la langue. Et les deux extrêmes que je vois, c'est si on parle de langue qui a un gros impact sur la culture, la culture américaine, sans aucun a priori péjoratif, mais la culture américaine qui est une culture de langue de bas contexte où ce que l'on dit, ce qui est dit par les mots, c'est ce qui est exprimé, c'est ce qui doit être compris. Et à l'autre extrémité, tu as le Japon. Le Japon, c'est une langue de haut contexte où ce qui compte, c'est pas tellement le message en lui-même, c'est la façon dont il est emballé par la grammaire, par le choix des mots, et c'est ce qui va permettre à l'interlocuteur de recevoir le message. Et nous, Européens continentaux, nous sommes entre ces deux extrêmes, et donc on arrive à être compris et à comprendre ces deux extrêmes. J'ai compris l'importance. J'ai été sensibilisé à l'importance de la langue et c'est pour ça que j'ai toujours fait l'effort d'apprendre ou d'essayer d'apprendre la langue du pays qui m'accueille pendant quelques années. Et la Roumanie, ça représente quoi pour toi? Tu vis dans ce pays depuis 8 ans, enfin suffisamment de temps pour en faire un pays d'adoption. C'est quoi ton regard sur la Roumanie? Alors là, je n'ai jamais vécu en dehors de mon pays natal, la France, je n'ai jamais vécu dans un pays aussi longtemps qu'en Roumanie. C'est une vraie bénédiction d'avoir l'opportunité de vivre et en plus dans un rôle local sans me disperser par des voyages incessants. Donc, en 8 ans et demi en Roumanie, j'ai eu l'occasion de créer une certaine intimité croissante avec le pays, avec les Roumains que j'apprécie de connaître les gens dans mon entreprise, à l'extérieur, d'être bien connecté, de comprendre ce pays fascinant qu'est la Roumanie. Et je dois te dire d'ailleurs, Mirel, que la façon dont je suis arrivé en Roumanie n'est pas anodine. C'est en faisant le chemin de Saint-Jacques à l'issue de mon poste précédent qui était pour AXA en Espagne que j'ai été contacté pour venir en Roumanie, pays que je ne connaissais pas du tout, qui n'était pas dans la liste de mes priorités de découverte. Et je suis très heureux d'avoir eu cette expérience de comprendre, de connaître un peu la Roumanie.
Il y a beaucoup de choses pour nous, Français, à apprendre des Roumains. Le sens de l'hospitalité, la sociabilité, la capacité à communiquer avec émotion par les mots, la flexibilité, l'adaptation et aussi la résilience. J'aimerais qu'on évoque aussi ce qui ne va pas chez nous, les Roumains. Là, j'ai un regard roumain sur les Roumains. Je trouve qu'on est un peuple assez défaitiste, c'est-à-dire qu'on n'a pas beaucoup de conviction dans nos projets. On commence plein de choses, mais on n'arrive pas à les achever. Enfin, il y a une sorte de comment dire, une idée reçue comme ça, comme quoi ce pays ne vaut pas grand-chose, il vaut mieux partir ailleurs. D'ailleurs, on a 4 à 5 millions qui sont partis ailleurs. Donc, on se raconte une histoire qui n'est pas très positive sur la Roumanie. Toi, en tant que Français qui a travaillé dans tous ces pays-là, ça fait quoi comme effet et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que les Roumains changent un peu de regard sur eux-mêmes? J'ai toujours été épaté par le regard des Français sur la Roumanie. Évidemment, il y a beaucoup de problèmes ici, comme partout dans le monde. Mais les Français qui vivent ici, en Roumanie, ils voient toujours le côté plein du verre. Et ça m'a toujours épaté. Moi, je m'implique hein, dans mon travail quotidien, dans mes contacts avec mes collègues, mes amis roumains, à contribuer à infléchir leur regard sur la Roumanie. Je pense que la Roumanie, c'est un pays qui a beaucoup d'atouts sur le plan économique, sur le plan culturel, sur le plan géopolitique. C'est un carrefour culturel. C'est un pays à la fois très profondément européen, mais qui est aussi à une croisée des civilisations avec le Proche-Orient qui est très proche, bien sûr, le monde turc, les pays de la zone Russie, mais qui est profondément ancré aussi dans l'Europe de l'Ouest. Pays qui a beaucoup d'atouts sur le plan économique, son sous-sol, la Roumanie est riche de son sous-sol, de son sol, c'est une des grandes agricultures en Europe, riche de ses talents, et c'est ce qui fait qu'on retrouve beaucoup de Roumains qui se sont très bien adaptés à l'étranger. La Roumanie est riche de son socle industriel, qui a un héritage de l'époque communiste, et c'est souvent des actifs industriels qui sont... Ils reprennent toute leur dimension lorsqu'ils sont associés à des sociétés multinationales. On le voit dans le cadre de Dacia, on le voit avec le bon développement de Airbus et puis dans d'autres activités. Donc, une Roumanie très ancrée en Europe. Qu'est-ce que les Roumains pourraient apprendre, par exemple, des Français? Je pense à un engagement civique plus fort dans le domaine associatif, dans le domaine politique. Y compris dans la contestation politique, qui est une forme d'expression de la démocratie. Et vous savez que tu sais qu'on est champion en France pour la contestation dans la rue. Je pense que les Roumanie peuvent apprendre des Français, notamment un engagement civique plus fort. L'esprit de synthèse, même pour exprimer des idées complexes, la capacité à le faire en très peu de mots. Et puis, la conduite du changement sur un horizon à long terme, qui est indispensable, cet horizon, pour faire les transformations dont la Roumanie a besoin pour rester compétitive, devenir plus attractive. Je pense notamment aux transformations dans le domaine des infrastructures, de transport, de santé, d'éducation. Noi venim din viitor. Prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România. Mis à part ton chapeau de PDG de Groupama en Roumanie, tu portes un deuxième chapeau, celui de président de la Chambre de commerce et d'industrie française, d'industrie et agriculture française en Roumanie. Pour les auditeurs qui ne connaissent pas très bien cette structure, cette chambre, tu peux nous raconter en quelques mots de quoi il s'agit, qu'est-ce que c'est que cette chambre, quelles sont les compagnies qui sont là et vous faites quoi sur le marché roumain? Alors, comme tu le sais, comme vous le savez, il y a beaucoup d'investisseurs français qui sont présents en Roumanie, 2800 entreprises à capitaux majoritaires français qui sont venus en Roumanie, qui trouvent en Roumanie un relais de croissance, c'est-à-dire une croissance à deux chiffres sur un marché au sein de l'Union européenne non saturé. C'est une croissance qu'on n'arrive pas à trouver dans des économies plus développées en France, par exemple.
qui trouvent aussi en Roumanie un relais de compétitivité globale. Donc, en produisant en Roumanie une partie de leur valeur ajoutée globale dans le domaine manufacturier, dans le domaine des services. Par exemple, Dacia Renault, qui produit 95% des voitures produites en Roumanie qui sont exportées sur d'autres marchés. C'est des sociétés qui ont des centres de services en Roumanie pour l'ensemble de l'Europe, voire au-delà. Donc, la Roumanie, c'est un relais de compétitivité pour ces investisseurs français. Et en contrepartie, ces investisseurs retrouvent en Roumanie ou ont importé en Roumanie du capital, du savoir-faire, 125 000 emplois directs, notre communauté d'investisseurs français, contribue à l'internationalisation de l'économie roumaine, à l'exportation des biens et des services fabriqués en Roumanie avec les talents de la Roumanie, et contribue aussi à donner du travail à des PME roumaines dans la supply chain de toutes ces grandes entreprises investisseurs français. Alors, c'est quoi le rôle dans cette communauté de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture franco-roumaine? Trois missions. D'abord, stimuler les opportunités en Bucarest et en province, avec l'aide des clubs francophones d'affaires que nous avons à Timișoara, Sibiu, Brașov, Cluj et Iași. Stimuler les opportunités. Deuxième mission, c'est de fournir des services à valeur ajoutée qui sont difficiles de trouver localement. Par exemple, on a depuis maintenant 8 ans un exécutif masterclass avec ESCP Europe, qui est la plus vieille école de business du monde, qui a été créée il y a presque 200 ans. Et puis, la troisième mission de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture franco-roumaine, c'est de dialoguer avec les autorités pour une Roumanie compétitive, un milieu des affaires compétitif qui permette à nos entreprises de réaliser leur plein potentiel en Roumanie, donc croissance profitable, mais aussi leur pleine contribution à la société, à l'économie, des deux pays, pas uniquement de la Roumanie, mais aussi de la France. Donc, c'est ça le rôle de la Chambre de commerce, et ce dialogue avec les autorités, on l'a avec le gouvernement, avec les commissions parlementaires, avec la présidence de la Roumanie, dans un pays qui est relativement ouvert à ce dialogue. Et c'est un dialogue apolitique qui consiste à dire qu'est-ce qui marche bien, qu'est-ce qui ne marche pas bien, qu'est-ce qu'on voudrait voir améliorer dans l'environnement des affaires, et tout ça pour favoriser l'emploi, l'investissement, et l'attractivité de la Roumanie. Je profite pour lancer la question suivante sur le côté institutionnel de la Chambre. Le 14 juillet, c'était la fête nationale de la France, mais en raison du coronavirus qui s'est invité dans nos villes, et les événements prévus pour célébrer cette date symbole d'une nation ont été assez drastiquement réduits. Mais il y a eu un événement qui mérite d'être rappelé à nos auditeurs. Il s'agit du matinal digital pour célébrer le partenariat économique entre la France et la Roumanie. La réunion a eu lieu en présence du Premier ministre Ludovic Orban et de son Excellence, Madame Michèle Ramis, ambassadrice de France en Roumanie. Raconte-nous un peu de quoi il s'agit quand on parle de partenariat entre la France et la Roumanie. Qu'est-ce qui se cache derrière ce mot? Effectivement, nous avons eu l'honneur de la participation de Monsieur le Premier ministre et de Madame l'ambassadrice de France à ce digital matinal qui a rassemblé 260 leaders de nos entreprises en Roumanie. Autour de deux thèmes, la présence française et en Roumanie, qu'est-ce que ça veut dire pour les entreprises, qu'est-ce que ça veut dire pour la Roumanie, et le deuxième thème qui était sur les priorités de nos entreprises pour pouvoir continuer à grandir d'une façon profitable et contribuer à l'économie et à la société de la Roumanie et de la France. Et les priorités, celles qui sont adressées dans le programme du gouvernement Reclădim România et celles qui ne sont pas encore adressées, que l'on voudrait voir mises à l'ordre du jour. Donc, ta question, c'était qu'est-ce que… Le partenariat, quand on dit partenariat France-Roumanie, pour… c'est des termes un peu institutionnels, les gens ne sont peut-être pas vraiment au courant de ce qui se cache concrètement derrière ces mots. Alors, pour moi, je suis homme d'affaires, je ne suis pas diplomate, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a deux pays qui échangent 9 milliards d'euros d'export dans les deux sens tous les ans. On a des investisseurs français en Roumanie. Donc, tout ça, c'est un partenariat de long terme. Par exemple, Dacia et Airbus sont arrivés ici il y a 50 ans en Roumanie. C'est un partenariat de long terme dans le passé, aujourd'hui et demain. C'est un partenariat durable pour les raisons que j'exprimais auparavant, à savoir les deux parties y trouvent leur intérêt. Les entreprises françaises trouvent en Roumanie un relais de croissance et de compétitivité.
Et en contrepartie, la Roumanie y trouve du capital. La France est la troisième source ultime de capital étranger pour la Roumanie. Du capital, du savoir-faire, la contribution à l'internationalisation de l'économie, à sa montée en gamme. Je pourrais revenir là-dessus si tu le souhaites. 125 000 emplois directs et aussi du travail pour des PME roumaines dans la supply chain de ces investisseurs français. Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România. J'aimerais bien qu'on évoque cette histoire du virus, mais pas parler du Covid-19, parler aussi des opportunités qui ont été créées dans cette crise. Parce qu'à l'occasion de toute crise, il y a aussi des opportunités. Évidemment, on a un drame qui touche la planète entière, mais au-delà du drame, on a aussi l'opportunité de faire des changements importants. Maintenant, on a constaté qu'il y a beaucoup d'entreprises occidentales qui avaient déménagé leur production en Chine. La Chine était à la mode dans les années 90-2000, tout le monde y allait. Et maintenant, à travers cette crise, on a constaté qu'il y a un certain nombre d'entreprises qui réfléchissent à relocaliser leur production plus près de chez eux, en Europe. Et étant donné le rapport entre l'Ouest et l'Est de l'Europe, la Roumanie pourrait avoir une chance assez importante dans ce domaine-là, parce que, bon, à l'Ouest, on peut se relocaliser à l'Ouest, mais c'est un peu plus compliqué à l'Ouest, je passe les détails, mais il y a beaucoup d'opportunités à l'Est de l'Europe, et notamment la zone où la Roumanie se trouve. Et comment tu vois cette opportunité? Moi, personnellement, je considère qu'on pourrait faire un effort au niveau du pays, pour ramener ces relocalisations des entreprises occidentales ici, en Roumanie. Je pense que c'est effectivement une nécessité. Nous en parlions récemment dans un matinal digital de la TCIFR avec M. Dacian Cholos, qui est président du groupe Renew Europe au Parlement européen, comme tu le sais. Une des trois priorités de l'Europe actuellement, donc trois priorités, la transformation digitale profonde pour refaire de l'Europe un leader dans le domaine du digital. Deuxième priorité, la transition énergétique pour que l'Europe soit l'endroit dans le monde où on respire le mieux et où l'environnement est le plus respecté. Et la troisième priorité, la résilience européenne. Qu'est-ce que ça veut dire, la résilience européenne? Ça veut dire ne dépendre pour tout ce qui est critique, biens et services, que de nous-mêmes. Donc, il y a effectivement une réflexion très pratique de la part de beaucoup d'entreprises de raccourcir leur supply chain, d'avoir en Europe le principal de leurs besoins satisfaits. Et la Roumanie, comme d'autres pays à l'est de l'Europe, peut-être aussi le Portugal, a de bons atouts pour prendre une place dans ce mouvement de relocalisation. Nous en parlons avec les autorités. Il ne faut pas manquer le train. Et la Roumanie est en concurrence avec d'autres pays comme la Pologne, comme la Hongrie notamment, si on parle des pays voisins. Il ne faut pas manquer ce train. La Roumanie a des atouts de compétitivité. La Roumanie a aussi des freins. Et ce que nous avons demandé récemment, et je l'ai rappelé au Premier ministre la semaine dernière dans le matinal digital, nous demandons à ce que la compétitivité soit mesurée, parce que ce qu'on sait dans nos entreprises, quand on mesure, on gère. Et quand on mesure bien, on gère bien et on gère pour le succès. Donc, il faut que la compétitivité de la Roumanie soit mesurée. Il existe un indice global de compétitivité, celui produit par le World Economic Forum, qui est très granulaire, qui permet de comparer la compétitivité de la Roumanie à celle d'autres pays, notamment les pays voisins. Et donc, nous suggérons que cet indice de compétitivité globale soit utilisé pour fixer des objectifs ambitieux qui seraient relevés par les autorités avec les entreprises. Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România. François, je sais que tu as aussi la foi chrétienne. Je suis curieux de savoir qu'apporte la foi dans la vie d'un dirigeant d'entreprise. D'abord, j'ai la foi. Qu'est-ce que ça veut dire avoir la foi? C'est avoir l'espérance
de la vie éternelle, essayer d'être inspiré par le Saint-Esprit dans la vie quotidienne, y compris dans les décisions quotidiennes dans l'entreprise. C'est la pratique en allant à la messe tous les dimanches. J'ai la chance d'appartenir à un groupe d'entrepreneurs dirigeants chrétiens en Roumanie. Et comme je disais avant, moi j'ai la conviction profonde qui m'émerveille que le travail c'est beaucoup plus que gagner de l'argent pour pouvoir survivre. Et c'est beaucoup plus que ça. C'est comme je disais, ça fait de ceux qui travaillent, travail salarié, travail associatif, travail à la maison, ça fait de ceux qui travaillent des co-créateurs dans le prolongement de l'œuvre de Dieu. Et lorsqu'on a la chance d'être manager, on est encore plus fort dans l'expression de ce travail parce que l'essence spirituelle de notre travail, c'est de développer les compétences de nos collaborateurs, c'est de les faire collaborer entre eux et c'est de veiller à la pérennité de l'entreprise dont on a la responsabilité. J'aime beaucoup cette image de co-créateur. Quand on dit co-créateur, c'est-à-dire qu'on est là pour faire quelque chose, quoi. On n'est pas là juste pour gagner un peu de sous et partir en vacances quelque part. C'est plus que ça, c'est créer quelque chose, laisser derrière toi quelque chose qui, en quelque sorte, permet à ce monde de croître, quoi, de se développer. Parce que on est fait à nous, les hommes, on est fait à l'image de l'univers. L'univers est en croissance continue, il pousse, il continue à l'infini. Donc, cette croissance-là, je pense que c'est aussi un devoir de vie au niveau de l'individu. Et cette image du co-créateur, ça parle de ça, j'ai l'impression. Et puis, si on n'a pas la spiritualité, on peut le traduire d'une autre façon. Ça donne une responsabilité face aux choses, face aux hommes, face aux situations, face aux défis. Et quand on est responsable, on n'est pas victime. Quand on est victime, on n'est pas responsable. Et je pense que la responsabilité de chacun dans sa vie, responsabilité vis-à-vis de son employeur, vis-à-vis de ses collègues, responsabilité vis-à-vis de la société au sens large, c'est quelque chose de très important. Vivre la vie responsable et non pas la vivre comme victime. C'est une jolie conclusion. Bon, le temps passe vite quand on a des invités comme toi. François, une dernière question, vite fait. Si tu avais un robot qui pourrait faire tout à ta place et tu aurais tout le temps du monde pour toi, tu ferais quoi? Alors, c'est une question difficile parce que j'ai donné dans ma vie une part au travail très, très importante. Ce qui m'intéresse, c'est d'être un pont entre les cultures et je le fais par mon travail, de satisfaire ma curiosité, de découvrir les autres, leurs différences, mais aussi qu'est-ce qui nous rapproche. Donc, je pense que je continuerai à voyager, mais en le faisant de la façon la plus profonde possible. Et c'est ce que ma présence dans différents pays, en ce moment en Roumanie, me permet de connaître un peuple et sa culture en profondeur. Voilà une jolie conclusion, François. Mulțumesc că ai fost cu mine la emisiunea Noi venim din viitor. Dragi ascultători, l-ați auzit pe François Cost, CEO al companiei de asigurări Groupama și președinte al Camerei de Comerț și de Industrie Agricultură franceză din România. Un om împlinit în afaceri și în viață, dar mai ales un om care crede în România și în viitorul acestei țări. Dacă măcar o parte dintre noi românii am crede la fel în țara noastră, am reușit poate mai bine pariul cu destinul ei. Iar dacă vreți să auziți ceva nou și să respirați un aer mai oxigenat, așa ca la munte, ascultați această emisiune. Noi venim din viitor. Pentru că viitorul pe care îl imaginez mâine este aerul pe care îl respir azi. Și mai avem și știri din viitor în fiecare vineri după jurnalul de la ora 1. Aceste emisiuni sunt acum accesibile și în podcast și pe canalul de YouTube. Eu vin din viitor, Mirel Bran. Dați un click, abonați-vă și aflați din ce este făcut viitorul ca să înțelegeți ce căutați în acest prezent. În ce privește viitorul, treaba asta așa. Ori ne omorâm unii pe alții într-un război nimicitor, ori construim împreună ceva atât de frumos încât poate bate orice ficțiune. Treaba asta o hotărâm împreună, dacă viitorul va fi o poveste sau ruina unui vis. Sunt Mirel Bran și vă aștept vinerea viitoare de la 5:30 la 6 și în reluare sâmbătă după știrile de la ora 11. Să auzim de bine și stați liniștiți, noi venim din viitor și totul e ok.
Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România. O emisiune oferită de BRD Grup Societe Generală.